heure, c'est dimanche matin. C'est sûr. Il est 7h40. J'ai la vieille peau avec moi. J'ai mal partout. Là, puis là et là. Bon, on va petit déjeuner et on va aller au parc. On va profiter un peu des heures de nager en plus, peut-être pendant une heure. Bah, ce sera déjà mieux que ça. Rien que rien. Et surtout, moi j'y tiens en plus pouvoir, c'est. Prendre rendez-vous pour les princesses. Hein, parce que moi, si j'ai pas ma photo avec les princesses à la fin de la journée, du week-end, je pense que je suis à scandale. Et elle va m'entendre pendant 10 ans. Il m'a eu mes princesses. Bon, hier, j'ai eu bourriquet, on était vraiment morte, donc on ne va pas trop filmer grand-chose. J'ai eu bourriquet, je lui ai refait une demande en mariage 3 ans et demi après, presque 4. C'était pas si mal que ça, même si niveau bouffe et pas bien personnel parce qu'ils sont formés à devoir aller vite. C'était pas trop mal quoi. Bon, on a eu les 5 personnages. On va pas se plaindre. On a payé pour les voir. C'est ça en fait. On a remis nos Mickey. Ah oui, sur les nœuds. Si vous allez voir. Je sais pas si on verra, mais c'est pas grave. Voilà, bisous, on va déjeuner. Il est 9h 8h30. 8h36, bravo à nous. Hier, on était encore au petit-déj. Après une course effrénée, nous avons réussi à attraper le bus. Oui, au final, on ne serait pas pris pêcher, c'était pareil. Donc, on va dans le parc pour la dernière journée. Déjà. Ouais, bah, ça passe vite. Hein. On va aller à la fouille corporelle. Pour qu'il y ait des beaux jeunes hommes. Et voilà, et après on va aller au parc Disneyland, on va profiter des heures de magie en plus, donc on va profiter une petite heure tranquille. Et on va poser les bagages à la bagagerie de l'hôtel. Parce qu'on n'a plus les passeports annuels, donc on n'a plus la bagagerie gratuite ici, malheureusement. On a rétrogradé, si vous voulez qu'on dise. C'est ça. On a rétrogradé, hein. Et ouais, donc on va essayer d'avoir surtout mes princesses. La fille, elle a dû le répéter 15 fois dans la vidéo. 25 fois. Encore nous, comme d'hab. La tête parce que la vidéo va faire des combes. Alors là on attend pour Tic et Tac. Il y a un photographe en plus donc on amortit notre photopass. On fait la file d'attente. Ça va, il y a un peu de monde. On est installé dans Dumbo et après on va aller voir pour les princesses. Ouais. On va peut-être voir les tâches aussi, je sais pas, on va voir. Ah oui, parce que les princesses, je sais pas, il n'y a rien écrit nulle part, il faut réserver, c'est le bordel. Il n'explique rien. Et il y a Aurélie qui nous rejoint vers 14h normalement. Il y a des sensations, ça peut le devenir. Je vais en perdre le téléphone et les oreilles. Bon, après, on a une belle vue. Bien. Ça va, c'est pas mal. Oh, ça gère. Dumbo, c'est une institution de tous les dimanches matins aux heures de magie en plus. Pour ça, on pouvait pas ne pas la faire, tout simplement. Donc voilà, nous allons passer. Nous allons passer. Ah, tasser. Oui, tasser. Le dos, tout. Ouais, voilà, tout tasser. Et ouais, on va tasser. Bonjour, Alex. Good morning. Allez, go Ratatouille pour la troisième fois. On n'est pas du tout accro à cette nouvelle attraction. Hein. On va rater comme trop tard. Ouais, voilà, de 2 ans et demi. 3 fois en 2 jours. Chef Rami is waiting for you. This way. Alors, on vient de sortir de la tour. Ouais,
trop bien, comme d'hab. C'est toujours un peu long l'attente, mais un peu l'attente. Ouais, ouais, ouais. Mais elle est top, quoi, y a rien à faire. Et là, on va se faire RC parce que là, on était en panne et là, il remarche. Donc, on va faire. C'est pour ça que je suis sans lunettes fixes et je suis aveugle. Et on est sans oreilles fixes non plus, hein. Aussi. On ressort du studio, on retourne dans le parc et Amandine, ce qu'elle n'aime pas et ce que moi j'adore faire, on va faire la course au perso. La course au personnage. Je n'aime pas. Non, elle fait des attractions, non, je suis même plus. J'aime bien les personnages, mais j'aime bien aussi l'attraction. Bon, là on a fait les trois qu'on voulait à tout prix faire. On s'est mis une heure de temps, on a mis une heure. On a fait ratatouille. Oui, j'espère que ça va pas. Ouais. On a fait ratatouille, le train est mignon, il n'existe plus. Merci. Ratatouille, la tour et RC. Donc là, on retourne dans le parc Disneyland pour voir s'il y a des personnages parce qu'il y en a jusqu'à 14h. Après, il n'y en a plus. C'est galère. On va en profiter. Et il commence à pleuvoir, comme elle a dit tout à l'heure. Voilà, même n'écoute jamais. Et oui, comme la vie. Indiana. Mm-hmm. Bien, comme d'hab. Hein. Ça fait mal, mais ça va, c'est bien. Je sais pas où on a arrêté, on a eu réponse. Oui, qui était très très jolie. Ah oui. On a fait une très jolie photo. Très gentille en plus. Très gentille. On a vraiment fait de très très jolies photos avec elle. Ouais, c'était top. On est allé voir pour Peter Pan, c'était trop tard, on pouvait plus avoir de photos, mon compi. Alors on va essayer d'avoir Tiana. On va peut-être se mettre dans la file d'attente en attendant que Willy arrive pour voir si. On peut quoi, on va voir comment on marche. On va voir ça. Là, je viens de me faire agresser par Tic, c'est ça? Tac. Ah, Tac, je viens de me faire agresser par Tac. Mais c'est une très belle agression. On les croise et il est venu se coller son nez sur mes lèvres pour lui faire un gros bisou. Voilà, je choque. Et juste avant, j'ai le génie qui m'envoie un bisou. Ah, j'ai la cote aujourd'hui. J'ai la cote. Voilà, donc on va aller voir où il y a Tiana et normalement on a Vinny. On va vous montrer. Voilà, coucou, il y a Rudy qui nous a rejoint. Là, on attend une photo avec Tiana et Nadine, c'est ça? Nadine. Je sais pas. Chez Tiana, en bas. Donc voilà, elle est arrivée, elle a peur. Un peu galérée, donc je l'ai fait courir. Ouais, un peu, ouais. On a dû prendre plein de fois dans le parc. La seule fille de solo de tout le parc, c'était moi. Donc voilà. Alors on va faire une petite photo Bienvenue au festival d'hiver.
Alors une nouvelle fois. Ouais, il faut la refaire elle. Hein. On arrive au château. Bah dis donc, je me rappelle pas que c'était si long. Ouais non, moi non plus. On est arrivé. Bon, après s'être perdu dans le labyrinthe, on va aller au Pirate des Caraïbes en sachant qu'il y a une vingtaine de minutes d'attente. J'ai perdu tout le monde. Ouais, il y a 20. 20. On va voir, mais il y a du monde quand même. Malta, Pirate, on va voir ce que ça donne. Ouais, se rafraîchir un peu.
Pour moi, hier, je me suis trempé les fesses. Ah ouais ? Ah ouais. Et aujourd'hui, j'ai fait pareil parce que j'avais ma bouteille qui s'est vidée dans mon sac et j'avais les fesses trempées comme si je m'étais fait pipi dessus. Disneyland. Après un accident dans Pirates des Caraïbes, je suis tombée, j'ai fait un petit séjour aux urgences ici, mais rapide. Juste, j'ai été conduite de Pirates des Caraïbes jusqu'à Main à côté de Plaza Garden en fauteuil roulant. C'était une attraction que j'avais encore jamais faite. Ouais. C'est pas mal, en plus, bon, j'étais sympa. C'est qui me conduisait ? Le pompier ou l'infirmier, je sais pas ce que c'était, c'était sympa. C'était sympa le pompier. Là. Donc j'ai mal aux deux genoux, mais c'est le droit le plus touché. Bravo, bravo. Tu finis bien là. Oh, je week-end. Finis bien le week-end. Bah, c'est la fatigue. Là, on a fait nos achats. Moi qui voulais rien acheter au final, j'ai acheté des choses. Bon, c'est pas grave. J'avais décidé d'en acheter hier. C'est parce qu'il y avait le passeport annuel. Là. Voilà, on a eu Aurélie avait son passeport, donc j'en ai profité un petit peu. Un peu beaucoup même. Ouais. Et alors on va chercher à manger à Earl et on va chercher les valises et on va faire l'attente pour les Ouigo et rentrer à la maison. J'espère revenir quand même assez vite, pas attendre encore 2 ans et demi. Normalement non. Bon ben ainsi s'achève notre voyage à Disney. On vient de chercher sans but chaud pour ce soir. Là, j'ai vraiment trop mal au genou. Je peux pas, je me suis pas sentie d'aller chercher les valises à l'hôtel dans Clémentine et aller toute seule. La pauvre va tenir 2 valises et mon sac, super lourd. Super. Donc là, j'ai mes genoux. J'ai expliqué comment c'est passé. Je suis allée voir les photos et il y avait trop de monde donc je pouvais pas passer. Donc j'ai voulu redescendre et en posant mon pied gauche, oui. Je crois que je ne l'ai pas mis assez à plat sur la marche, j'ai été un peu en équilibre et ma cheville elle a vrillé et donc je suis tombée par terre, donc les deux genoux en avant en mode à genoux et après j'ai tourné et j'ai tapé le coude, les genoux ben, j'ai super mal, le croix c'est le pire, ça fait des œufs de pigeon dessus, c'est une catastrophe. Là je sais que tant que je marchais ça va, mais quand ça va se réveiller ça va être une cata. Là j'attends qu'Amandine revienne et on a notre train à 20h50, donc là il est je pense 19h, un truc comme ça, je peux pas vous dire, j'ai pas l'heure. Et là je me suis arrêtée au Annette, tu sais, j'ai pris une petite glace pour m'en monter un peu parce que j'ai mangé à midi mais pas tant que ça avec l'opération, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, bah, la fin du voyage est là, je pense qu'on fera une dernière vidéo avec Amandine dans le train. En tout cas, ma pouf, merci beaucoup pour ce super cadeau pour mes 30 ans. J'ai vraiment passé un très très bon voyage, à part ça, mais c'est rien, c'est les aléas de la vie. Voilà, en 30 ans, en 30 voyages, j'ai jamais fait l'attraction fauteuil roulant jusqu'à l'infirmerie, donc cette fois je l'ai faite. J'ai fait toutes les attractions du parc. Super. Je m'en serais bien passé de celle-là. Moi, je vous dis à tous, à bientôt. Je vous embrasse. Avant, c'est cool. Sauf que je suis crevée. Donc, on est morte. J'ai retrouvé ma fouf qui allait chercher les valises et tout. Bah, truc bizarre, la dernière fois qu'on est parti, on a dit au revoir au château, au revoir partout. On est fini, mais au final, là, pas du tout. Donc, je pense qu'on va revenir incessamment sous peu. C'est obligé. Je peux pas repartir avec une blessure, quoi. C'est pas possible de finir un voyage comme ça. Donc, là, on m'a pris le Earl, du moins, surtout moi. Toi, t'as profité d'une belle salade. On a pris toutes les deux. C'est la vie, ça. Si vous allez au Earl, prenez ça. On fait à tous des grands bisous. La vidéo, ben, c'est terminé. Elle doit être très, 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 très longue parce que ça fait 3 jours de film. Ouais, je pense que je vous la ferai peut-être sur deux fois parce que je pense qu'elle va vraiment être longue. Je dois avoir peut-être 2 heures de film. Voilà. Je vous embrasse et à bientôt pour de nouvelles aventures avec ma fille.